Bonjour, bienvenue sur la cuisine des marchés Ben Sidoun. Aujourd'hui, nous vous proposons un menu spécial fête de fin d'année et nous allons commencer avec un velouté de butternut au foie gras. En termes de matériel, vous aurez juste besoin d'une casserole, quelques ustensiles et un blender. Et au niveau ingrédients, un butternut que vous aurez épluché, épépiné et coupé. Un oignon, un peu de crème fraîche, de l'huile et du beurre pour faire revenir notre oignon, un peu de foie gras et du bouillon. Nous allons tout d'abord faire revenir un peu d'huile avec un peu de beurre à feu vif. Et quand votre beurre commence à frétiller, nous rajoutons l'oignon. Votre oignon commence à dorer, nous rajoutons le butternut et le bouillon. Nous allons maintenant laisser cuire notre butternut pour à peu près 15 minutes. Je vous retrouve à la fin de la cuisson. Nous revoilà. Notre butternut est cuit. Pour s'en assurer, un petit coup de couteau pour voir que ça s'enfonce bien. Nous allons récupérer notre butternut avec notre bouillon que nous allons mettre dans un blender. Hop. Vous voyez, ça prend une belle coloration. Nous allons poivrer légèrement. Rajouter un petit peu de sel et mouliner le tout pendant quelques secondes. Je vais rajouter un petit peu de bouillon puisque là notre velouté ressemble plutôt à une purée. Nous allons rajouter de la crème fraîche. Un petit peu de foie gras. Nous allons blender une dernière fois. Si jamais votre soupe est un peu épaisse, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau ou un petit peu de bouillon. Notre soupe doit être prête. Il ne va plus rester qu'à servir dans une assiette. Et voilà, notre velouté de butternut est prêt. Si vous avez un petit peu débordé avec un petit torchon ou un petit sopalin, on nettoie légèrement le bord de son assiette et on termine avec quelques petits copeaux de foie gras. Et voilà, votre velouté de butternut est prêt. Bonne dégustation!